J'ai une histoire à vous raconter. Et vous savez, quand je raconte une histoire, j'aime bien qu'elle soit riche en images. Je vous emmène pour un rêve de chasse. Une chasse sur une île aux lapins en Suède. Mais d'abord, on attaque avec quelque chose qui change un peu. Bon, les amis, grande première pour moi. La chasse à la truffe, alors ils appellent ça vraiment la chasse ici. On ramasse pas, on cueille pas, enfin on la chasse avec son petit chien. J'étais encore vierge de cette activité. Allons voir ça, je suis très curieux. Et puis en plus c'est quelque chose que j'aime bien, donc on devrait passer du bon temps. On est à Gotland, en Suède. C'est une île qui est située quasiment à mi-parcours entre la Suède et la Lettonie. Et c'est une île absolument formidable. On se croirait ici sur un campus universitaire. C'est très vert. Et comme beaucoup d'îles, il y a beaucoup de gibier, beaucoup d'oiseaux migrateurs, des canards, des oies, des grues. On a vu vraiment beaucoup de choses. Et c'est aussi très réputé pour les lapins. Et c'est ce pourquoi on nous a invités pour 3 jours de chasse. Voilà, chasse aux lapins, au furet. Ça va être du chêne, tu vois, on est sur du chêne pubescent et du noisetier. Ils ont ramené apparemment des plants avec du mycélium de France. Et voilà, et on a Milou, 14 ans, bien sous tout rapport. Qui apparemment, ça fait 12 ans qu'il cherche les truffes, apparemment il est assez doué. Bon, ça chasse pas comme nos chiens. C'est chouette quand même. La pression là au chien, laisse tomber. On est 10 derrière. Below the. Yeah. Hop, hop, hop. Regarde. Commence à creuser. Yeah. Do you get excited doing this? Do you enjoy it? Do you find it thrilling? Yeah. Regarde. Ils sont pas loin. Ouais. Ça sent bon. L'auxiliaire de chasse par excellence au lapin. Un bon retriever et avant ça, un furet qui va aller les enquiquiner dans le terrier. Ils sont vraiment passionnés ici de ça. Ils nous ont parlé des furets pendant des heures. C'est super intéressant d'empêcher. Le lapin, c'est un gibier qu'on adore en France et qu'on regrette puisqu'on a été vraiment beaucoup touché par, malheureusement, un cumul de maladies. Mais ici, il y a des densités qui sont encore fantastiques. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des terriers comme ça. Et donc, du coup, pour eux, c'est en même temps du pest control, comme ils appellent. Donc voilà, de la destruction, puisque donc, les fermiers s'en plaignent énormément. Il y a les vaches qui se cassent les pattes, etc. Enfin, il y a une vraie problématique. On a vu des routes qui s'effondraient. C'est très sableux comme coin. C'est pour ça que ça plaît aussi autant aux lapins. Mais c'est incroyable. Elle a une très très belle densité. Donc du coup, nous, on vient en même temps profiter de belles chasses. C'est de la destruction, mais c'est aussi de la chasse. Ouais, quand il est, c'est quand même de la réduction de population. Hein. C'est de la destruction. Pest control, comme ils disent. Normalement, ils nous demandent de les tirer quand ils sont arrêtés. S'ils sortent et qu'ils sont un peu loin du terrier, comme c'était le cas là. Mais des fois, on n'aime pas trop. C'est vrai que c'est quand même plus sport et plus plaisant de les tirer quand ils courent. Mais des fois, il faut en tirer quand même un petit peu aussi comme ça. Let's make a cake. Let's tie down.
tracks. Let's make the world look flat. Let's cut the tongue before they ever learn to sing. Let's burn the homes to warm our hands. Plant our flags on foreign lands. Let's leave the fingers and take the ring. Let's make a king. Tell a tale, let's lock the door with nails. Let's let the necks all snap and let those bodies swim. Let's turn away from all we had before. Cause we've been promised so much more, and I just can't wait to see what this day brings. Il y a un élément aussi qui est fondamental, c'est la sécurité. Franchement, je pense pas qu'on. Enfin, tu peux pas aller là-bas avec n'importe qui. C'est. Faut vraiment vraiment des mecs super carrés, super pointilleux sur la sécurité, parce que la manière dont tu tiens ton arme dans ces moments-là et les tirs qui sont encore une fois extrêmement rapides, et des fois tu as les lapins qui passent entre nous, donc y a des fois aussi, il y a les furets qu'il faut évidemment préserver, il y a sans arrêt du coup le guide qui vient, qui attrape son furet, qui le pose, etc., qui passe devant, donc voilà, il faut à chaque fois casser son fusil et se comporter le mieux possible. Et on a des lapins qui croisent les chasseurs, donc il faut rester extrêmement concentré. Ça va très vite, tout va très vite. C'est une boule de feu qui sort du trou, et tu as vraiment très très peu de temps pour décider, je tire pas. Et voilà, évidemment, la priorité, encore une fois, c'est ça, sur la sécurité. C'est mon préféré, celui-là. Ça a été vraiment une scène magnifique. Je me suis régalé, il nous a surpris. Il n'y avait plus de furet, il avait enlevé le furet, il sort à gauche à fond de boîte. Une fois. Tire très rapide. Une belle galipette, tout y était. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait qu'on était vraiment à proximité. En général, on est. C'est rare qu'on soit à plus de 10 mètres. Les trois chasseurs, on était des fois à 5 mètres l'un de l'autre. Et du coup, ça veut dire que aussi, potentiellement, le lapin, il peut être tiré par les trois en même temps, par deux. C'est quand même arrivé assez souvent, puisque de toute façon, encore une fois, le lapin, il va tellement vite et dans des espaces si restreints. On a eu aussi des paysages très ouverts sur des pelouses où on avait tout le temps pour les tirer. Mais il y a des fois où il fait juste 3 mètres et il redescend dans un autre trou, ou il va dans un buisson. Ils font comme les sangliers, vraiment. Toujours au plus court et au couvert. C'est assez flagrant. Bon, on a fait des beaux, je suis content. Parce que des fois, on a 2-3 mètres pour tirer. Et en plus, on a la pression des voisins. Ils sont en train de s'énerver. Ah, fire is up! Donc, non, c'est vraiment top. On en a déjà fait 2 ou 3, je crois. 3. Des beaucoup. Donc, c'est vraiment plaisant. Quand on le voit rouler dans le point rouge, là, c'est vraiment grandiose. C'est pas une vraie compétition, il y a un petit challenge entre les uns et les autres. C'est vrai que celui qui tire le plus vite, bon voilà, il a plus de chance, mais des fois, si tu veux tirer trop vite, tu risques de le louper, et l'autre il le ramasse derrière toi, et tu peux te faire bien chambrer aussi un petit peu. Du coup, tu vis aussi les scènes avec les voisins. Je pense qu'il y a personne qui a tué un lapin que j'ai pas vu rouler. C'est assez rare en fait qu'on ne se voit pas. Et du coup, c'est quand même sympa parce que tu vis aussi les scènes des autres autour de la garenne. Donc, franchement, c'est une chasse superbe, vraiment intense, sympa, rigolote, technique. Donc voilà ce qu'on est venu essayer au cours de ce séjour. Donc le nouvel endpoint, c'est l'Acro S2, S pour shotgun. Donc c'est l'évolution du micro S1, donc c'est sa deuxième optique qui a été faite par endpoint pour les fusils. Donc vous allez voir tout de suite effectivement les différences et son niveau de la taille. Est forcément du poids, donc le nouveau est beaucoup plus léger, et il y a aussi une différence sur la taille du point, puisque sur le micro S1 c'était un 6 MOA, on a l'habitude sur les carabines d'avoir du 2 MOA, donc beaucoup plus petit, et donc plus que c'est pour le fusil et que c'est pour une acquisition rapide, ils sont encore passés plus gros sur l'accro, et en fait c'est du 9 MOA, mais en fait c'est vraiment pas gênant, puisque en fait le but, encore une fois, c'est pas de chercher son point rouge, le but c'est de se focaliser sur le gibier, et lorsque vous épaulez, le point rouge vient se mettre dessus et couvrir une surface qui est vraiment facile à repérer et efficace en fait pour le fusil, donc c'est vraiment très très adapté. Je connais hein, ce,
ce point rouge qui a été initialement créé pour les pistolets, qui a progressivement arrivé sur les carabines et maintenant sur les fusils. Donc pour les régler, c'est super simple. En fait, on prend une cartouche de laquelle on a ôté l'amorce et on va rentrer la cartouche sans l'amorce dans le canon du haut, c'est plus facile. Et après, en fait, on va faire correspondre ce qu'on voit. En fait, le but de mettre la cartouche, c'est juste d'avoir un plus petit trou pour être plus précis pour ce qu'on voit à travers le canon. Et en fait, on va régler le point rouge pour que ça corresponde entre ce qu'on voit à travers le canon et le point rouge. Et après, le point rouge, évidemment, ne bouge plus. Du coup, vous êtes parfaitement réglé. Et à partir du moment où vous voyez le point rouge et que vous tirez, l'impact des plombs sera la zone couverte par le point rouge. Donc, c'est parfait. Donc ça prend pas longtemps en fait. Je suis Peter Van Meller, je suis le responsable de la vente des aimpoint en France. On a chassé les lapins avec le point rouge d'aimpoint et on est là aujourd'hui pour s'entraîner sur le ball trap. Forcément, au début, il y a quand même un petit temps d'adaptation. C'est une dynamique à apprendre. Je pense que ça peut être un truc de fou quand tu commences à chasser. Si tu l'as et que tu commences avec ça, à mon avis, tu ne vas plus pouvoir t'en passer. C'est super utile pour ceux, je pense, qui ne tirent pas forcément très, très bien et qui ont envie de changer quelque chose, ou ceux qui ont l'œil directeur inversé. Alors là, ça veut dire c'est la révolution. C'est clairement là où tu peux vraiment optimiser avec cette optique. Et puis après, pour ceux qui tirent de nuit ou ceux qui traquent, enfin vraiment, il y a quand même des utilisations qui sont vraiment formidables. Mais effectivement, il faut un peu s'entraîner. Je réfléchissais à ça et je pense très très sincèrement que le tir du lapin comme ça, comme on l'a fait, c'est un des plus techniques de ceux que je connaisse. Quand tu réfléchis à toutes les caractéristiques, le fait que ce soit un animal super rapide, sa taille qui est vraiment minuscule, ça change sans arrêt de direction, et puis tu tires dans des espaces, mais hyper restreint. Des fois, on a eu des scènes où il sort du dernier trou de la graine et t'as une grosse pelouse derrière, donc là c'est beaucoup plus évident, mais très très souvent, t'as 1m50, 2 mètres grand maximum, pour repérer que c'est pas le furet qui est en train de sortir, c'est-à-dire c'est le lapin, je suis en sécurité, épaulé, et tiré correctement, c'est quand même dingue tout ce qui se passe dans la tête. En une fraction de seconde, et ça j'aime ça, c'est une manière de se responsabiliser. C'est un peu comme en battu, t'entends craquer et puis hop, t'as juste un saut de la ligne et tu dois réfléchir, sexer et réfléchir à tes conditions de sécurité, comment le tirer, oui, non, je tire pas. C'est dingue, et c'est ce qui fait aussi que t'apprécies d'autant plus la réussite. J'en reviens à la technicité du tir, à la difficulté du tir, et tu obtiens des telles satisfactions personnelles, oui, sur le tir, clairement, qui font partie de la chasse. On prend tous quand même beaucoup plus de plaisir quand on a un tir qu'on sait qui est quand même, qui apporte un peu de challenge et de sportivité. Et voilà, donc c'est vraiment tout ça cumulé fait que c'est extraordinaire. Il y a quand même beaucoup de, en termes d'intensité, de nombre d'animaux et de difficulté du tir, il y a tous les arguments pour passer un super moment pour les chasseurs exigeants, quoi. Des fois, je me disais, quand on était autour des trous comme ça, et on voyait 3 ou 4 fusils pointés sur un trou ou un petit bosquet, et on reste là pendant des fois 15-20 minutes sans bouger, et je me disais, si les gens nous voyaient, ils disaient, mais ils croient qu'il va se passer quoi en fait? Les mecs, ils sont plantés devant 4 trous, et en fait, la chasse, elle se passe sous terre, quoi. C'est le furet qui est en train un peu de les titiller. Et voilà, on a eu plein de scènes qui sont quand même super, des fois t'y crois, le lapin sort, il te fixe, tu sais pas si tu dois bouger ou pas bouger, et hop, il retourne. On a vécu ça aussi 20 ou 30 fois. Il n'y a pas que du tir, il y a beaucoup de passages à vide aussi. Il y a des garennes qui étaient vides. Il y a 2 mètres only. We spoke about that last night. They just put up their ears. Ha ha!
Ouais, c'est ça que j'adore vraiment dans les dans ce genre de chasse, c'est tellement imprévisible en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais mine de rien, je dis ça et en même temps, je t'ai dit il y a deux minutes, c'est un coup à se le prendre dans les pieds, parce qu'on avait vraiment, c'est un peu comme les sangliers quoi, forcément ils prennent l'endroit le plus dense, le moins à découvert possible, et au final avec les branches du pin là et les autres pins, on était en plein milieu, on venait d'en tuer un là, et d'un coup, plop, j'entends rien, t'as quelqu'un qui crie, et puis je l'avais dans les pieds, et j'ai vu que tu continuais à le filmer, du coup je me suis penché. C'était vraiment super quoi, encore un bon tir instinctif, une super scène. Et voilà. Je pense que tu t'es régalé aussi à le filmer. J'ai eu très peur. Ah, c'est génial cette chasse. C'est marrant parce que il y a des comportements vraiment très différents des lapins. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on les voit juste sortir le bout de leur nez et ils re-rentrent. Il y a des fois, une fois, on en a vu un sortir, il a sauté plus haut que la table. On aurait dit qu'il y avait, que c'était un patator, le machin, qui avait du gaz et touch, il est sorti. Franchement, il était à ça de haut. Et des fois, ils sortent et ils restent devant, ils font 2 mètres et ils restent arrêtés comme ça et ils bloquent. Et souvent, les guides nous demandent de les tirer quand c'est comme ça. Donc c'est vrai que bon, moi, je l'ai fait une fois. Je suis pas fan du tout, mais voilà, parce qu'après, je pense que c'est le côté chasse. Et puis encore une fois, c'est vrai qu'on y prend moins de plaisir. T'as tué un lapin. Eux, c'est quand même ça leur but, il faut qu'on en fasse beaucoup. Mais c'est vrai que, bon, quand même, des fois, tu as tendance à. Le guide, il dit vas-y, tire, puis il veut pas courir. Et puis... Bon, voilà. Mais voilà, on a eu vraiment, en termes de rapidité, des choses très, très, très différentes. Mais vraiment des scènes. C'est vrai qu'on change, toutes les 5 minutes, on change de paysage. Donc, des fois, tu es au bord d'une route, des fois, tu es carrément en sous-bois. À des moments, on était sur des. J'étais posté sur des cailloux au bord de la mer. C'est dingue. Et puis, c'est ces paysages qui sont vraiment fantastiques, hyper calmes. Et puis, il y a des grands murs en pierre partout qui peuvent rappeler un petit peu l'Écosse. Enfin, c'est. Franchement, quand il y a toute la recette comme ça, toute cette magie que ça t'apporte, l'ambiance, les copains, les belles images, parce que aussi, il ne faut pas se cacher, on aime ça, on vient pour faire un film. Et quand on a à la fois la réussite de l'action de chasse et qu'en plus on l'a dans la caméra et que on se tape dans la main, on dit on a vraiment un chouette truc, ça décuple le plaisir, donc c'est vraiment que du bonheur quoi. On peut pas attendre beaucoup plus de tout ça, mais c'est vraiment, quand je parle de rêve de chasse, moi c'est vraiment ça à fond. Et en plus on a la chance à chaque fois d'avoir ce que je dis, les setups, parce que des fois on pense avec un fusil on fait tout, mais sans blaguer, quand on a vraiment l'arme et les accessoires les plus appropriés à une chasse, c'est dingue le bénéfice que ça a. Et moi, j'adore ça. Techniquement, être au sommet, surtout quand t'as vraiment un tir aussi exigeant, aussi difficile. Et que là, on avait vraiment à tout adapter. On avait un fusil extrêmement léger, avec la double détente, canon court qui donne une maniabilité de fou. C'est vraiment un jouet. C'est cette impression que c'est un jouet pour Cosse. Il doit peser 2,7 kg, je crois, le fusil. La double détente, ça permet vraiment de choisir en fonction de la distance. On l'a fait quand même plusieurs fois. Première détente, en fait, au canon du bas, j'avais mis le choc rayé qui me permettait d'avoir quand même une gerbe relativement large, même à courte distance. Et puis, pour les tirs un peu plus loin, je glissais sur la deuxième détente. Et là, j'avais mis un demi-choc. Ça permettait, en jouant sur les deux détentes, d'avoir quand même une amplitude incroyable en termes de distance, quoi. Je pouvais tirer honnêtement de 5 mètres à 50 mètres. Sans difficulté. On a fait autant des beaux tirs de distance et autant des tirs extrêmement près, sans forcément casser en deux des lapins, quoi. Ah, t'as vu le salaud ? Tu l'avais vu sortir ? On a pu manger aussi ces lapins avec lesquels on a passé, donc du coup, vraiment des moments formidables, tant en amont qu'en aval. Puisqu'en amont, voilà, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à les chasser. On avait vraiment un setup idéal, parfait, travaillé au millimètre pour ce type de chasse. Ça, j'adore. Et puis après, à la fin, on a pu aussi s'en délecter le soir. On a fait vraiment du slow cooking, 5 heures de cuisson. C'était merveilleux, merveilleux. Donc tout a été super jusqu'au temps, parce qu'on ne s'attendait pas à venir en Suède pour attraper des coups de soleil. Et pourtant, voilà, on a eu très chaud, chassé en chemise, avec une telle abondance de lapins, avec des bons partenaires, des amis, des chouettes partenaires à quatre pattes qu'on n'a pas trop l'habitude, dont on n'a pas trop l'habitude effectivement en France. Moi, j'ai chassé 5 ou 6 fois, je pense, avec des furets dans ma vie. Là, on en a pris plein les yeux. Des méthodes de chasse vraiment efficaces, des gens qui adorent aussi ce qu'ils font.
Les guides sont super accueillants, jovial, impliqués. Ils se donnent du mal, franchement. Pose un furet, je pense qu'on le verra. J'aimerais bien, je dirais sûrement une bêtise, mais peut-être, je sais pas, 500 fois, je pense, on a posé des furets dans des trous. Donc des fois, ils sortent d'un trou, ils vont dans l'autre. Des fois, ils sortent, ils en ont marre. Des fois, ils veulent juste pas rentrer. Mais ouais, il y a vraiment une science aussi autour de ça, et les furets se régalent. He went down again. There's more rabbits. J'ai vraiment de la chance dans le cadre de mes pérégrinations. C'est vrai que j'ai vu quand même beaucoup de chasses différentes, et ce que j'adore à chaque fois, c'est de trouver autant de passionnés. On s'imagine toujours qu'on est les plus passionnés du monde, et en fait, il y a des gens discrets qui sont souvent loin des caméras et qui sont des fois, ça y est, j'ai frisson, qui sont 50 fois plus passionnés que nous, ou par d'autres choses simplement. Et là, c'est vrai qu'on a eu avec leur furet, ils s'en foutent, ils pourraient en parler pendant des heures. Même celui qui chasse le chevreuil avec un basset fauve de Bretagne, il les chasse avec un seul chien, il nous en a parlé pendant des heures. On était accueillis ici par un dresseur de chiens, de Springer, qui demain il part en voiture, enfin d'abord en bateau, puis après en voiture, il fait je sais plus 15 ou 20 heures de voiture pour aller chercher un cocker en Angleterre. Et un vrai passionné de dressage, on l'a vu avec son sifflet, le chien c'est incroyable, gauche, droite, avant, arrière, avec des coups de sifflet différents, très rapide, très dynamique. Et puis voilà, là c'est sûr qu'on s'est très rapidement bien entendu avec cette personne-là, puisqu'il a un amour pour les chiens, qui d'ailleurs, moi j'avoue, les miens m'ont bien manqué. C'est vrai que j'aurais bien eu aimé avoir, c'est magnifique, un chien qui rapporte un lapin des deux côtés de la gueule, c'est quand même une belle émotion aussi. Et il y avait de quoi se régaler, donc ils m'ont manqué mes toutous aussi. Mais du coup, on le vit par procuration grâce à d'autres passionnés, c'est super aussi. On se connaît bien avec Field Sport Channel, c'est pas le premier film qu'on fait ensemble, alors c'est vraiment marrant quand on est comme ça, parce qu'ils ont du coup leur tireur, leur équipe de tournage, nous on a notre propre tireur et équipe de tournage. Il y a quand même une espèce de petit challenge quand on est autour des trous, et qu'ils lâchent le furet à top départ. Non, c'était super. Franchement, c'est une bonne équipe. Ils font leur film de leur côté. On le regardera, je pense, avec beaucoup de plaisir. Ils regarderont le nôtre sûrement avec le même. C'est vraiment des beaux moments aussi de partage. Tu te rends compte qu'on est quand même avec des Suédois, des Anglais. On va dire des ils s'appellent un peu comme chez nous, avec l'Alsace et les Français de l'intérieur. On dit souvent ça dans nos coins, les Vosgiens et les Alsaciens. Et là, il y a aussi les Suédois de l'intérieur, comme ils s'appellent, et ceux qui vivent sur l'île. C'est vraiment quand même particulier. Je crois qu'il y a 60 000 habitants à peu près ici. C'est une île qui représente à peu près un tiers de la Corse. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas, il y a toujours quelque chose, moi, qui m'a habité dans l'effet insulaire, quoi. J'ai beaucoup voyagé sur des îles en Afrique, etc. Et le côté insulaire, c'est quand même quelque chose de différent. T'as forcément plein d'autres questions, plein d'autres raisonnements, et une espèce de sérénité, de tranquillité, qui est quand même atypique, et un vrai plaisir à profiter à 100%. Quoi. Et puis pour couronner le tout, tu vois que les Suédois étaient vraiment, vraiment adorables. Ils faisaient tout pour nous faire plaisir. Nous, à la base, on était venus pour les lapins, mais quand arrivait le soir, ils nous proposaient de faire une passée aux canards et aux oies. Bon, ben, autant dire qu'on n'a pas dit non. Et si on parle juste chasse, ben voilà, j'ai fait un coup double sur Arlebièvre et un autre sur Chipot. Je veux dire, c'est quelque chose, c'était top, quoi. Mais le plus fou, c'est plus encore sur le plan de l'expérience, de l'émotion, d'avoir vécu cet instant, se retrouver là, les pieds dans la mer Baltique, tirer des canards dans la lumière du soleil couchant. J'avoue que ça, c'était vibrant, vraiment, c'était intense. Et à un moment, moi, je regardais au loin, je disais plus un mot, mais à l'intérieur, je me disais, purée, c'est la vie que j'ai choisie, que je vis mes rêves de chasse.
Ça, on n'a pas compris, par exemple. Marana. Tamar. Allez, vas-y, go. Il fut. On est à Gotland. Ça faisait Groland. On est à Groland, gros. Eh bien, ici. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.